Dans cette vidéo, à chaque fois que nous allons marquer un but, le ballon deviendra de plus en plus grand. On commence avec une balle de seulement quelques centimètres pour terminer avec un ballon de plus d'un mètre. Aujourd'hui, mes amis et moi allons nous affronter dans un duel de frappe pour savoir s'il est possible de marquer un but avec des ballons de plus en plus grands. Le principe est simple, 8 ballons, dès que l'un d'entre nous marque un but, il passe au ballon suivant et le premier d'entre nous qui parvient à marquer avec tous les ballons remporte cette vidéo. On se retrouve avec tous les participants de cette vidéo, Charlie, Maxime, Quentin, Maxime encore, Maël et Thomas. Messieurs, comment ça va? Top, merci. Vous connaissez le principe, c'est parti, Thomas et moi dans les buts et puis le premier qui marque avec les 8 ballons, enfin les 8 ballons. Peut-être 7, on ne sait pas. Je vous mets un extrait tout de suite. Prêt Thomas? On a un petit souci, la vidéo a pas encore commencé. Et j'ai crevé le ballon. Bon, j'avoue, sur ce coup-là, c'est de ma faute, mais croyez-moi, je pense que le destin avait quelque chose contre ce ballon. Je vous laisse en juger par vous-même. Allez. T'es mal le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il était en haut du filet. Ouais, mais il va se trouer tout à l'heure. Je peux savoir ce qui te fait tant rire, Luc? C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? C'est bien ce que vous pensez, il y a eu une mini tornade et le ballon s'est envolé pour terminer en haut d'un arbre. Est-ce que c'est bon pour vous? Heureusement, on a réussi à le récupérer et à le réparer, mais à cause des branches, il a pris un peu cher, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir à quoi le ballon ressemble. C'est Maxime qui commence avec la balle de Round Net, ça s'appelle comme ça. Je te la donne, je pense qu'elle fait à peine 1 cm. En effet, mais ça va faire remarquer rien. On va voir le MVP de la chaîne, c'est parti Maxime, premier essai. Tire pas trop fort, wesh, elle est chiante. Alors, c'est pas dedans. De peu, mais c'est pas dedans. Oui. En finesse. En bas à gauche du but, je passe au premier palier. Yes. Allez, premier tir pour Quentin. Oh. La balle est tellement petite qu'elle est passée entre les mailles du filet. Et regardez ça, Quentin est très heureux. Maxime. Oh, bien joué Thomas, bel arrêt. La balle est tellement petite que pour le gardien, déjà une, elle bouge. Et deux, bah plus elle est petite, plus il tente de la toucher. Bah ouais, logique. Maël. Mais comment c'est possible? Enfin, en plus, il a tapé plein de barres. On en parle du bruit que ça fait à proportion de la taille de la balle. Moi, je veux bien quand ça claque, comme ça. Wow, allez, dommage. Oh. Voilà. Elle a dévissé. C'est rigolo. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vie d'un... Oui, Maxime. Oui, Maxime. Oh, claqué au sol. J'ai... Oh, c'était dur, hein. Oh, la frappe de U11. Elle est où, la frappe? Oh, quelle mine! La frappe présente. Enfin, pour le moment, il y a un scénario qui se dessine, c'est Quentin et moi en tête et les autres derrière. Mais ça peut aller très vite. Mec! Alors là, on s'en rendra bien compte avec la caméra juste ici. Là, la balle, elle a fait une trajectoire, bah... Alors, Roberto Carlos. Oh, elle est rentrée! Elle est rentrée! Ouais. Ah. Oh, quel arrêt! Oh, la parade! Bien joué! Bien joué, mec! Entre la barre tout à l'heure, là. Bon, ça va là. Oh, en fait, j'avais dit moins. Ouais, elle a sorti sur la droite, ouais. Ça frappe de rasoir! Nicolas! Vas-y, mon Max! Oh là là! Allez! On prend et on passe encore un palier! Oh! Oh là là! Venez voir ça! Magnifique arrêt de Thomas qui me permet d'être seul en tête du classement avec mon ballon de basket. Maxime? Les buts sont vachement petits, je trouve aussi. Wow! La shot! Maël qui est maudit, bilan de Maël, une barre. Un arrêt sympa de ma part et un arrêt, on n'a pas compris de Thomas. Dommage! Oh, elle était incroyable! Thomas est en feu depuis quelques instants. Regardez comment sa balle s'écrase sur la barre transversale. C'est aussi improbable qu'impressionnant. Allez,
Mais laisse pas passer, putain. Encore un palier de passé. Ballon suivant, celui de basket. Bon là aussi, tout le monde connaît ce que ça fait, jouer au foot avec un ballon de basket. On n'aime pas trop, mais bon, on va essayer de marquer quand même. Oh, elle était trop molle. Oh, elle était trop faible, cette frappe. Oh, oh. C'est rentré. Ah, elle est belle. Mais qu'elle s'est calée. On n'a rien compris. On a rien compris. Mec, mais là, mais mec, d'où on était, on aurait dit qu'elle aurait pris de l'autre côté. On aurait dit qu'elle a pris le filet extérieur et qu'elle aurait été coincée. Oh la vache! Ouais yeah. Là, celle-ci, elle est partie. Allez, c'est pas que pour les mecs normaux, tu peux y arriver. Oh, là, ça commençait à être moralement très compliqué pour Maxime et Charlie qui n'ont toujours pas marqué, car si de votre côté vous regardez cette vidéo depuis seulement 6 minutes, le jour du tournage, ça faisait déjà une bonne heure qu'ils essayaient de marquer. Comme je suis un mec sympa, je leur ai accordé le droit d'avancer jusqu'aux 16 mètres pour leur prochaine frappe, mais pour l'instant, c'est à moi de jouer. Oh, elle tourne pas! Ah, elle tourne pas du tout! Là, on voit bien la différence avec un ballon de football. Un ballon de football, il serait rentré! Quentin, qui s'élance? Oh, belle! Oh! En fait, t'as raison, elle tourne pas! Mais oui! Là, la fois, je peux prendre qu'elle a cette balle. Elle ne tourne pas! Mon copain Quentin m'a dit que je devais tirer à gauche. Donc, je vais exécuter cet ordre. Car j'ai un profond respect pour cet homme. J'ai voulu, mais j'ai pas pu. Allez au champ. Oh, ça passe, on va arriver à du goal. On peut faire une pause, j'ai mal au bras. Ah, on finit. On finit le tour là. T'as qui? C'est qui après? Oh la vache! Oh la vache! Je crois que c'est le tir le plus fou que j'ai vu de toute ma vie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu un truc comme ça. Cette vidéo est incroyable. Des tirs de zinzin. Des zinzin. Bon, bilan des courses. Je suis égalité avec Kefa, Maxime et Thomas sont en embuscade. Et après, ben, on a Maxime et Charlie qui se battent en duel pour marquer avec le ballon jaune. T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Et t'as l'air! La balle, elle a pas rebondi d'un pet! Au bout de 1000 essais, enfin! Oh, elle est magnifique! Elle est splendide! Allez! Enfin, j'en avais ras le bol de cette saleté de balle! Oui! C'est inadmissible! Merci Thomas! Le virement bancaire se fera sous deux jours. Là j'annonce, maintenant, il n'y a plus aucun loupé. J'ai la balle de foot maintenant, il ne peut rien arriver. Voilà, je l'ai dit. Oh les belles. Incroyable. C'est fou, c'est la folie, délire. Merci. Tu me ressembles, s'il te plaît. Quelle indignité. Oh la vache! Oh là là! Joli tir, mais ça va! Nouveau ballon! Balle de tennis, on va dire taille chien, je pense. Je peux attribuer cet adjectif, ce qualificatif. Et maintenant, on marque! Oui! Oh la balle, comment elle a repiqué! Mec, c'était Olive et Tom! Elle est passée 2 mètres au-dessus, elle a replongé! Oui! Oui! Oh! Regarde ça! Ça y est, l'on est! T'as pas le droit, Lévi! Yeah! Oh, il l'a mis! Quelle
frappe flottante de Maxime. Malheureusement, ça sera son dernier but dans cette vidéo, puisqu'à l'exception de Quentin et moi-même, plus personne n'est parvenu à marquer à partir de cet instant. La victoire finale va donc se jouer entre Quentin et moi. Regardez-moi ça, les gars. Là, pour marquer, ça va être complexe. Peut-être qu'il y aura un malus pour le gardien, on verra comment je m'en sors. Allez. Ah, ta voix dans le ballon, ça fait bizarre. Ah ouais, c'est incroyable. En fait, je pars dans la balle. On dirait que je suis aux égouts un peu. C'est vrai que tu sens pareil. Hein. Oh bah. En plein dans le dos. C'est un grand moment de football, là. Oh les gars, je suis sur un 3 à la suite. C'est incroyable. J'ai mis un vrai penalty. Oh, elle était belle. J'ai chaud aux fesses. Pendant que Quentin essaye de marquer avec la balle de tennis géante, de mon côté, je donne tout pour marquer avec l'avant-dernier ballon, un énorme ballon de gym de 75 cm. Ah ah. Malheureusement pour moi, ce qui devait arriver arriva. À force de galérer, Quentin est parvenu à me rattraper. Nous revoilà à égalité. Mec ! Mais t'as mis la meilleure frappe. J'ai jamais fait aussi bien en 6 ou 7 tirs. Ouais, mais là, c'est même avec la meilleure frappe, c'est impossible. Hein. Tu crois qu'il faut qu'on avance ? Je crois que j'accepte ta position. T'acceptes ? On avance de combien ? De 20 cm. Il... Ah ! Ouais. On peut se mettre entre les deux. Ouais. Là. Juste là ? Ouais. Ça va être bien. Bon, bien sûr, faut imaginer. Ouais, bien sûr. Les gars, ça fait des heures qu'on tourne. J'ai tellement envie d'y arriver. Avant trois soleils. Ouais. J'ai marqué. Ce qui veut dire que si Quentin ne marque pas, les gars, j'ai gagné. J'ai pas le droit de célébrer parce que Quentin a un tir de retard. Si je dis ça, c'est qu'au vu de l'état du dernier ballon, Quentin et moi n'étions pas certains de pouvoir continuer la compétition avec le ballon numéro 8. C'est pourquoi nous étions d'accord pour être déclarés vainqueurs en cas de but avec le ballon de gym. But. Ça fait quoi du coup ? Ah, Quentin ! Ça fait égalité, frère ! Un jeu, monsieur, c'est mérité. C'est mérité. Quentin, on arrive au bout de la vidéo. Là, on arrive au ballon de plage qui fait plus d'un mètre. Enfin, normalement, parce qu'il a perdu un petit peu de sa circonférence. Il est plus mou. Et donc, c'est ce ballon-là. Ouais, il est crevé de... Que j'ai rapistolé de partout. Mais bon, on va se mettre très très près pour essayer... Partout, partout ? Bah oui, je l'ai rapistolé. Je l'ai rapistolé de fou. On va se mettre très très près et on va essayer de marquer quand même. On va se mettre très très près et on va essayer de marquer quand même. C'est parti pour le dernier tir de cette vidéo. 3, 2, 1, c'est parti. Let's go! C'est fini les gars! Incroyable! Incroyable tir pour terminer cette vidéo! Les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Un énorme merci à tous les copains, à Maëly d'avoir filmé, à Charlie pour avoir joué le rôle du ballon, Thomas qui a été monstrueux dans les buts. Et merci les copains! On peut tous applaudir! Ah, c'était la dernière vidéo avant mes vacances. C'est pour ça que j'étais peut-être un peu décousu, il fallait que je souffle. Bisous, abonnez-vous.